Bonjour. Vous devez être Victor Leco. Savez pourquoi je suis ici? Ma demande de grâce a été acceptée. Non, désolé, je ne suis pas là pour ça. Je suis Laurent Pina. Je travaille aux cuisines de la prison. Je viens vous voir concernant votre repas. Vous voulez dire dernier repas? On n'a pas beaucoup de temps. Voici une liste des plats disponibles dans la cuisine. Vous pouvez en choisir un. Entre nous, vous pouvez ajouter un souhait à la fin. Je ferai ce que je pourrai. Je comprends pas. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Personne n'acceptera de vous donner du lait maternel. Allez, choisissez un plat. Laurent. Je sais ce que vous pensez. Je sais que ce n'est pas dans votre liste. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Désolé. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Votre mère, vous l'avez connue? Oui. Et alors? La mienne est morte par ma faute. Elle est morte en me mettant au monde. J'ai passé beaucoup de temps ici. J'y ai croisé beaucoup de monde. Vous savez ce qu'on avait tous en commun? Une enfance de merde. Des orphelins comme moi. Des enfants mal aimés. Battus, violés. Des drogués de naissance. Tous condamnés dès le berceau à une vie de misère. Pourquoi du lait maternel? Le lait, c'est... C'est le premier contact. C'est le premier repas. Ici, j'ai eu le temps d'imaginer ma vie si j'avais eu ma mère, si j'avais eu ce lait. J'aurais pu grandir, entouré, protégé. J'aurais pu choisir ma vie. On a toujours le choix. Là, vous essayez juste de vous déculpabiliser. Oui. J'ai eu le choix entre mourir de faim et survivre. Vous auriez fait quoi, vous? Hein? Même pour mon dernier repas, je n'ai pas le choix. C'est vous, Laurent, qui l'avez. Je suis persuadé que ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes venu. C'était écrit. Rien n'est jamais écrit, Victor. Ça va? À la maternité, ils t'ont dit de pas boire. Et de rester au lit. C'est
C'est bon, ça va, ça fait presque une semaine. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'es sûr? De avoir faim. Tu viens?